Qui ne connaît pas les fameuses montres molles de Salvador Dali? Elles apparaissent pour la première fois en 1931 dans ce petit tableau d'à peine 33 cm de large sur 24 de haut, considéré pourtant comme l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Dali raconte comment un soir lui est venue cette idée des montres molles. « Nous avions terminé notre dîner avec un excellent camembert, et lorsque je fus seul, je restai un moment accoudé à la table, réfléchissant aux problèmes posés par le super mou de ce fromage coulant. Il se rend alors dans son atelier, où l'attend la toile représentant le village et les falaises de Porliegat. Ce paysage devait servir de toile de fond à une idée, mais laquelle ? Se demande-t-il. Le peintre est sur le point d'abandonner lorsqu'il trouve la solution, des montres molles comme du fromage, symbole du temps qui s'écoule. 2 heures plus tard, le tableau est achevé. Ce n'est pas la première fois que Dali invoque une raison farfelue pour expliquer son extraordinaire invention. Depuis son adolescence, l'homme se distingue par son caractère excentrique et son look de dandy à l'éternelle moustache. Électron libre, fantasque et incontrôlable, Dali exaspère de plus en plus les membres du mouvement surréaliste auquel il a adhéré. Au point qu'en 1934, André Breton, Max Ernst et Yves Tanguy signent sa lettre d'exclusion. Imperturbable, Dali proclame « Le surréalisme, c'est moi ».